être professionnel en Suède. Et je ne connais pas le traîneur de hockey avant. Et il m'a demandé le premier jour si je peux aller en France avec, parce qu'il n'avait pas un lad. Et je suis toujours amoureux avec Monty et tout. Et je pense, oui, je peux aller là, je peux apprendre un peu. Et ça, c'était en novembre 2007. Et depuis ça, je suis resté ici. Je suis tombé amoureux avec la France et la vie avec les trotteurs ici. L'histoire avec Hotub, c'est sûr, ça chauffe ma cœur, mais après, c'est mieux. Ça continue bien aussi. J'aime bien la France et ici, c'est un vrai pays pour les chevaux. Alors, tu t'es installé entraîneur il y a peu de temps? Oui, ça fait 3 mois que je suis installé entraîneur public. Et je suis une écurie en Suède avec des chevaux. J'ai un petit filiale ici avec des chevaux aussi. Comme ça, en Suède, je trouve les chevaux pour aller en France. En France, je vais trouver les chevaux pour aller en Suède. Ici, j'ai normalement entre 8 et 12, 13 chevaux à peu près. Et j'ai une fille finlandaise qui travaille ici avec moi. Et on travaille un petit peu le système suédois. On aime les chevaux, on aime notre travail. On essaye fait bien pour le propriétaire et pour les chevaux. Et on a presque des chevaux suédois qui est bien à la campagne ou au paddock. Et on essaye de gagner des sous. Là, je suis à Chamonix et j'ai tout que j'ai besoin ici. On a des belles pistes, on a des pistes rondes, on a le sable, on a le bois, on a les lignes droites, on a le mont, on a le bel paddock. C'est bien d'être installé ici. C'est près de l'autoroute, près de Paris. On est bien. J'aime bien être ici, je manque rien de spécial. On a 2 pistes rondes, une qui fait 1000 mètres et une qui fait 1250, une qui est un peu plus grande. Dans le bois, on a une ligne droite qui fait 1500 mètres en sable. On a 1 million de petits chemins. On peut monter pour 2-3 heures sauf aller dans la même route. Ça monte, ça tourne, on peut aller vite. C'est bien pour le tête aller dans le bois, beaucoup pour les chevaux, je trouve. J'ai travaillé à plusieurs places en Suède, je connais beaucoup de monde, le sud jusqu'à le nord. Et tous les soirs, je regarde la télé, les courses. J'ai de télé suédois ici, donc je regarde les courses. Je regarde l'ordinateur, les prestations, et quand je trouve un cheval ou deux que je pense peut être bien ici, si je ne connais pas la personne, je connais toujours quelqu'un qui connaît cette personne, ou le propriétaire ou l'entraîneur, et on propose une solution s'ils sont intéressés pour aller en France avec. Parce qu'en Suède, on a beaucoup de l'argent pour les chevaux qui sont bien, mais après pour les chevaux qui... Juste en dessous, le meilleure catégorie, c'est mieux être ici, s'il est bien longue distance, le cheval. Bon, là, pour l'instant, j'ai 5-6 qui courent. On a Sunbulava, c'est tellement bon cheval, mais il est fragile et il casse un petit peu. Là, ça fait un an, il n'a pas couru, il a juste fait son course de rentrée en Anguien cette semaine. Sauf expectation, il a bien trotté, ça c'est le plus important à voir. Il refroidit, il est aussi opéré dans la gauche plusieurs fois. C'est pas un bon cheval, mais il peut prendre le saut. Il peut prendre le saut. Tu penses que ces chevaux-là, ils vont être prêts, compétitifs quand? Prêts à gagner, tu penses qu'ils vont être prêts à gagner quand? Prêts à gagner, si tout marche bien, Sunbulava, il a besoin de 4-5 courses avant il va être bien. Et même avec l'autre. Et je ne veux pas presser trop dur, je veux laisser eux décider quand ils sont prêts. Et après l'autre photo et l'autre roquette, l'autre photo il est bien. Il vient venir de 3e la dernière coup à la Capelle. Il a fait une grosse photo au départ et il arrive quand même à être 3e. Il a bien couru. L'autre roquette, il n'a pas la même capacité longue distance, il est mieux petite distance. On va essayer de trouver une course qui fait 2002 ou le grand course à Bédic, peut-être la semaine prochaine, qui fait 2002. Après, chez Bono, 200, il n'est pas prêt à qualifier. Il a un pied bout, de temps en temps ça va, de temps en temps ça va un peu moins, mais... Bah, il trotte, à voir. Après, j'ai 2-3 chevaux en Suède
qui va venir bientôt, et deux chevaux de Norvège. Gary Victor, il a bien fait ici. Il a posé un petit peu en Norvège, là, il vient la semaine prochaine. Et lui, j'espère aussi, c'est un très bon cheval. En France, si, on a beaucoup de l'argent dans les courses. En Allemagne, Hollande, Belgique, on n'a rien. C'est sûr, ça va être la France. Et en plus, j'aime bien, j'adore la France. On court à droite, on court à gauche, on court dans le sable, on court en herbe. Ça monte, ça descend. Ça change. Les courses en États-Unis, je trouve que c'est nul. C'est une tour à gauche, derrière les voitures, ce n'est pas la compétition. En Suède, ça tourne aussi toujours à gauche. Une tour ou deux ou trois, mais c'est toujours à gauche. Et ici, on court. On est en plusieurs lignes, ça monte, ça descend. Tu trouves toujours une piste ou quelques trucs qui est bien pour ton cheval. Si tu as un cheval qui ne peut pas courir à gauche, tu peux courir à droite. En Suède, dans beaucoup d'autres pays, tu ne peux pas faire ça. Ça change. Et ça change pour le public aussi, pour le propriétaire. Voir son cheval courir en herbe, ça donne le plaisir. Ça change. C'est le truc que le propriétaire en Suède n'a jamais eu. Et ici, quand il vient, même si on va dans une petite piste, comme Châlons en Champagne ou un truc comme ça, ils sont heureux, le propriétaire. Ils voient un truc qu'il n'a jamais vu. Ça descend, on est en herbe. Tout le monde boit le champagne, c'est une fête, c'est heureux d'aller en course ici. Tout le monde parle avec les autres, tout le monde rigole, c'est une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance, spécialement dans l'été ici, ça change. En Suède, c'est un peu plus sérieux, on n'est pas tous amis. Ici, j'aime bien, c'est plus relax. C'est sérieux, mais c'est plus relax. Mais là, je suis installée et c'est pas facile d'être une fille et c'est pas facile d'être un Suédois ici à ce pays, ça je peux dire. Mais j'essaye quand même et j'espère qu'un jour, peut-être, un propriétaire français va mettre un cheval chez moi ou deux. Je vendrai plus de chevaux français, ça va faire plaisir. Avec tous les chevaux suédois, c'est un truc, mais on fait beaucoup la route aussi. Pour les courses européennes, on faut chaque fois partir à Vichy, Marseille, Toulouse, Bordeaux. De temps en temps, on s'est pris, mais de temps en temps, on faut faire beaucoup de route. Avec les chevaux français, c'est plus facile aussi pour trouver des courses, mais j'aime bien les chevaux français. J'espère que je peux être connue un jour pour avoir des propriétaires français. Alors, à ton avis, c'est simplement le fait que tu sois suédoise qui les freine d'être de venir chez toi? Non, je pense. Je peux pas dire, mais ici, je trouve que ils sont trop machos. Ah, ils sont machos. Oui, je pense que les femmes c'est mieux dans la cuisine ou pour faire le lit ou les trucs comme ça. Je trouve que tout le homme ici en France pense que ça va être comme ça, le vieux système que la femme. Travaille pas, et l'homme il travaille, mais pas ici. On faut travailler, on faut. Je sais pas, mais si je suis un propriétaire français ou suédois ou n'importe quoi, quel pays, c'est toujours. Si c'est un grand propriétaire, c'est un homme avec l'âge 50 ou 60. Et pour moi, c'est difficile. Que lui, il pense que je suis bien, je suis une petite fille, en plus je suis blonde. Donc pour eux, ils préfèrent, et je comprends ça, mettre le cheval ou le chevaux c'est chez un homme qui a beaucoup plus d'expérience que moi, et un peu plus de force aussi peut-être. Mais je trouve que j'ai fait un bon travail ici, et là je pense que c'est un bon moment à commencer. Si ça marche pas, ça marche pas. Je retourne pour faire qu'est-ce que j'ai fait avant, mais je pense que je vais réussir. J'espère. C'est mon objectif.